おはよう皆さん。Alors aujourd'hui, nouveau vlog. Donc, nouveau projet, nouvelle idée de vlog. Aujourd'hui, on va assister à un match de football. Donc, les FC Tokyo contre le club de Matsumoto. On va voir si l'ambiance du stade va être comme celle du Parc des Princes d'aujourd'hui ou comme celle il y a 15 ans. Donc, l'idée en fait est de comparer l'ambiance dans un stade de foot et dans une autre vidéo, l'ambiance dans un stade de baseball. Donc je suis accompagné de mes trois samouraïs, Romain-san, Kenichi-san et Lucas-san. Donc j'espère que ça va être pas mal. On a acheté des places, on les a achetées 2500 yens, donc c'est à peu près 20 euros. Et en fait c'est des places qui sont, c'est pas réservé. Donc plus t'arrives tôt, mieux c'est. Donc vas-y, c'est parti. On a acheté nos places en ligne et il y a un stand dès qu'on arrive au stade. Et il y a un stand pour récupérer nos places. Donc ça c'est plutôt pratique. Ajinomoto Stadium. C'est le stade de Tokyo. Il est situé à l'ouest de Tokyo, donc sur la Keio Line. Donc c'est à peu près de Shinjuku. Vous partez de Shinjuku, ça met à peu près une 30 minutes, 40 minutes. Donc c'est vraiment rapide. Donc voilà la queue. C'est tout le tour. Vous pouvez voir à quel point les Japonais respectent la queue. Et voici le ticket d'or. Le ticket d'or, monsieur. FC Tokyo contre Matsumoto. C'est parti. Alors ici, c'est simple. T'as un couloir qui relie toutes les gates, toutes les portes. Et du coup, tu te mets un peu où tu veux. Déjà, on est venu 1h15 à l'avance. Il y a déjà plein de monde. Il y a plein de monde qui réserve leur siège à l'avance en laissant leur écharpe. Ou leurs affaires, leurs sacs. Ils s'en foutent ici, c'est le Japon. Ici, on peut laisser nos sacs pendant 3 heures sur le siège. Il n'y a personne qui va le prendre. Voilà, on est hors du stade. Un bordel. Tout le monde va acheter à manger. Tout le monde va acheter des souvenirs. Et nous, on va faire la même chose. Alors je remercie mon pote Adrien de m'avoir prêté son stabilisateur parce que les vidéos comme ça sont nettement meilleures. Donc merci beaucoup Adrien-san. Toutes les 50 mètres il y a des boutiques de goodies. Donc écharpe, maillot. Lui, S maillot, il a l'air pas mal. Putain, 9000. Ah ouais, ok, d'accord, 80 balles. Ok. Il y a des beaux trucs. Il y a des grandes boutiques comme ça. Parce que toutes les 50 mètres. Toujours rempli de monde. Donc on va voir si on peut pas acheter un petit truc. On a trouvé des maillots à 32 balles, mais on sait pas si c'est les vrais. On sait pas ce qu'il y a dedans. Ils nous montrent que l'arrière. Je pense que ça va partir sur un maillot. Un M Kosuge, numéro 6. Mais j'ai peur que ce soit un remplaçant. On va partir sur du Kubo. À l'ancienne, il jouait au FC Barcelone. Donc, il n'a pas mis beaucoup de buts l'an dernier, mais c'est un bon joueur. Toi, Romain, t'es parti sur quoi? Nagai. Ouh, du Nagai. 49 buts la saison dernière. Bon, c'était Nagoya, mais on s'en fout. C'est quand même ça. Et Kenichi, il est parti sur du Kubo. C'est moi qui l'ai copié. J'ai copié Kenichi. Hein. FC Barcelone. Même si je déteste le FC Barcelone. Mais bon, maintenant qu'il est au FC Tokyo, je le pardonne. Hi. 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 Arigatou gozaimasu. Oh, fais-moi voir. Oh là là, quelle beauté! Sauf qu'il a choisi Nagai au final, c'est un traître! Oh non! Kubo, Kubo, d'abord Kubo! Dream Team! C'est parti!
C'est quoi? C'est parti ou pas? C'est parti? Là, on est bien là! Oui! Waouh, Matsumoto, ils sont très chauds! L'ambiance est pratiquement à son comble! Pour l'instant, côté Tokyo, il n'y a personne! Il n'y a pas d'ambiance! Le temps parfait, on va bien bronzer. Grosse ambiance, putain, c'est trop kiffant, ça m'a manqué. Petit concert en live, et je sais pas où il se trouve le groupe. La présentation des joueurs du côté Matsumoto. Il y avait plus d'ambiance au Matsumoto. C'est les visiteurs qu'on entend le plus. Allez, penalty!
petit Kubo là. Allez, peut-être le 2-0. Victoire écrasante de Tokyo, 2-0. Donc voilà l'ambiance d'un stade. Commentaire sur ce match. Oh, ça a été un match de dingue. Il y a eu une passe à gauche, une passe en profondeur, il y a eu deux buts. Nagai il a marqué. Zidane n'était pas là. Dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo. Et maintenant, il ne reste plus qu'à voir un match de baseball pour savoir quelle ambiance est la meilleure. Donc voilà. J'ai plus de voix. Sayonara. Bon, je crois qu'on n'est pas prêt de rentrer. Il y a un milliard de monde.